Le pic a bien été atteint cette nuit comme prévu. Là, à l'heure actuelle, la montée des eaux est stabilisée. On est donc à un niveau de 5 mètres, donc une légère décrue. Et pour l'instant, on n'a encore pas les cotes vraiment exactes pour prévenir la décrue réelle. Alors pour l'instant, bon, ben, on traite le courant, entre guillemets. C'est-à-dire que depuis 3 heures du matin, les navettes donc, avec les véhicules de la gendarmerie et puis le bateau, les pompiers, etc. Donc on permet aux gens de vivre au quotidien. On a effectué des reconnaissances chez les personnes âgées qui sont restées à leur domicile. Pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. On n'a pas eu de secours d'urgence à effectuer. Si je peux m'exprimer, tout se passe bien. Donc les gamines, elles descendent dans le bain. Elles n'oublient pas son sac. Et puis on... Oui. Vous allez voir votre mère. Voilà, j'ai 83 ans. Et là, j'ai ma fille et ma petite-fille qui sont là-bas vers elle actuellement. Donc on doit aller les chercher. C'est la reprise de l'école. Donc... Ben elle va rester toute seule, quoi. On espère que ça se passera bien. Ça va, ma chérie. Allez, là-bas. Ça va. Je voulais savoir comment vous viviez cette crue. Est-ce que c'est si difficile? On le subit, voilà. On ne peut pas faire autrement. Hein. C'est quoi le plus difficile en fait pendant cette période? Transport.